Thomas et Vent Faible ce matin sur la Camo. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps variable, une température extérieure à 16 degrés, une température de l'eau à 17-18 degrés, une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à 12h35, les coefficients 98 sur ce descendant. Le vent est au nord. Il y a un beau fort, des petites rafales à deux. Le plan d'eau est ridé, fripé. Les phases de vagues restent assez lisses et on a une petite houle longue avec 10 à 11 secondes de période. Une houle orientée ouest à ouest-sud-ouest, multipique et à la hausse. Un déferlement régulier à 50, 70 cm et sur les séries à 80 cm. Des vagues en pic, plein de pics dans les lignes qui se rejoignent, ces pics. Donc des distances de glisse assez courtes, vous voyez, des vagues assez molles qui déferlent en sectionnant. Les phases de vagues restent assez propres, c'est une houle agitée, zone de déferlement un peu aléatoire. Pas évident d'être bien placé pour prendre le bon pic. Mais bon, il y a quand même de quoi glisser, il y a déjà du monde à l'eau, la barre est facile à franchir, c'est pas sélectif. Il y a du surf et de l'action. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train d'houle qui va s'amplifier petit à petit. Le vent de nord va se renforcer. La bouée arcachon est sur un mouvement à la hausse à 1,10 m et 6 secondes. À 13h, 80 cm établi. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 10 secondes de période. Vent de nord-nord-ouest, 2-3 beauforts. Et à 17h, 80 cm à 1 m. Pas certain, mais peut-être. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 10 secondes de période. Vent de nord-nord-ouest, 4 beauforts. Malgré tout, le meilleur créneau, c'est en première partie de journée. Le prochain point est à 11h30. À tout à l'heure. Merci.